Bonjour, bienvenue dans le cours de reflet. 同学们大家好，欢迎大家来参加走遍法国 A2 的最后一次复习课。在法语当中呢，有很多代词，其中的 y-en 属于有一定难度的代词。那么今天首先我们来做几道关于 en 的题。en 这个词，一是要明白在什么场合下使用，二呢，因为它是元音字母开头，所以经常会发生省音、连诵之类的现象，对口语呢也提出了一些要求。那我们就先来练一练吧。先看一下这一组题的范例。Tu veux de la bière? Tu veux de la bière? 你要不要啤酒呢？遇到这样的题，我们要求回答成 Non, je n'en bois pas. Non, je n'en bois pas. Donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. 我不喝啤酒，给我来点水吧。当然，在下面的这些题目当中呢，回答可以有好多种，我们会给出一个参考的答案。第一题， Tiens, voilà de l'eau plate. Tiens, voilà de l'eau plate. 这里有一点普通的水。那么什么叫普通的水呢？指的就是不含气的水。Tiens, voilà de l'eau plate. 那我就应该回答什么呢？我不喝这个东西，我要喝带气的水。用法语该怎么说呢？ Non, je n'en prends pas. Non, je n'en prends pas. Donne-moi de l'eau gazeuse. Donne-moi de l'eau gazeuse. 当然，如果你要用动词 boire 也是可以的，可以说成 Non, je n'en bois pas. Non, je n'en bois pas.第二题， il reste des légumes, tu en prends? Il reste des légumes, tu en prends? 这里还剩下一些蔬菜，你要不要来一点呢？大家能不能回答呢？回答也同样非常简单。Non, je n'en prends pas. Non, je n'en prends pas. Donne-moi de la viande. 当然这里的 de la viande 我们也可以换成别的东西。假设我不要吃蔬菜，我要吃肉的话，我就可以说 Donne-moi de la viande. Donne-moi de la viande. 第三题， du poisson, ça te va? Du poisson, ça te va? 鱼肉合不合你意呢？你愿不愿意吃呢？回答可以是 Non, je n'en prends pas. Non, je n'en prends pas. Donne-moi des œufs. Donne-moi des œufs. 啊，我愿意吃鸡蛋。Donne-moi des œufs. 第四题， Tu prends du fromage? Tu prends du fromage? 要不要吃奶酪呢？ Non, je n'en prends pas. Non, je n'en prends pas. Donne-moi du dessert. Donne-moi du dessert. 我来点甜点吧。第五题， Tu veux du café? Tu veux du café? 你要不要喝咖啡呢？那我们可以说，我不要咖啡，我要喝茶。Non, je n'en prends pas. Non, je n'en prends pas. Donne-moi du thé. Donne-moi du thé. 好的，练完了 on 以后呢，接下来我们要进行选择咯。这一回不是这么简单，告诉你一定是 on 了。这回呢，有可能是 on， 有可能是 crack， 要大家进行判断哦。好的，先来选一下吧。大家都选对了吗？第一句 Tu vas dans le bureau de Nicole? Oui, j'y vais. 当然是我要去那里，对吗？ J'y vais. 这边不存在的，因此呢是 J'y vais. 相当于说 Je vais dans le bureau de Nicole. Moi, je 什么什么 sors. 那自然是 j'en sors. Elle ne est pas. 那我们应该填 Elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Elle n'est pas dans le bureau. Elle peut être à la cafétéria. 有可能在自助餐厅里面。Elle, 什么什么 va souvent à midi, 那应该是 elle y va souvent, elle y va souvent, 她经常在中午的时候去那里。其实表达地点的时候呢 ,on 和 y crack 还是比较好区分的 ,on 应该是从哪里，一般来说是离开某个地方。而 y crack 呢方向是相反的，是在哪里或者是去哪里。第三句
Non, elle n'y est pas, j'en viens. 是的，她不在那里，我刚从那里过来。注意，这里的 non 呢要翻译成是的。对于一句否定句，如果我们要表示同意的话呢，就要说 non， 不能够说 oui。第四句 ，retournons dans son bureau， elle 什么什么 est peut-être maintenant。那么到这里应该大家看出来，它是一个对话。Elle 什么 est maintenant 呢 ？Elle est peut-être maintenant， elle est peut-être maintenant。我们现在再到她的办公室去一下吧，也许她现在已经在了。第五句 ，D'accord, allons-y. OK， 这都不用想，肯定是 allons-y， 不可能是 allons-en。D'accord, allons-y， 我们去吧。第六句 ，Oui, elle 什么什么 est, oui, elle y est. 哦，她已经在那里了。Mais elle parle de son travail peut-être avec quelqu'un， 但是她现在呢，好像在跟谁一起谈论工作的事情。Mais elle parle de son travail peut-être avec quelqu'un。第七句 ，Peut-être。Elle 什么什么 parle 那当然是 elle en parle 因为是 parler de quelque chose elle n'est pas contente de son travail elle n'est pas contente de son travail 她对她的工作呢不满意第八句 non elle n'en est pas contente 是的她是不太开心 elle s'en plaint souvent 她经常抱怨她的工作 elle s'en plaint souvent 第九句Elle se prépare à changer de travail. Elle se prépare à changer de travail. 她是不是在准备要换工作呢 ？Enfin, je crois qu'elle se prépare. 那么 se préparer à 因此呢，这里填的是 y grec. Enfin, je crois qu'elle s'y prépare. Enfin, je crois qu'elle s'y prépare. 好，练完了 en 和 y grec 以后呢，我们来做第三组题。这组题的名称呢很有意思，叫做 Soignez votre style. Soignez votre style. 让你的表达风格更加讲究一些。什么意思呢要求主谓倒装待会儿大家看到的几个句子呢都不是主谓倒装的我们要求把它变成主谓倒装显得更加正式那么具体怎么变的话呢在上一次的总复习一当中我们曾经讲过如果不熟悉可以回去再听一下或者再复习一下我们教材第135页的总结好第一句 Pourquoi est-ce que ces gens ont l'air heureux Pourquoi est-ce que ces gens ont l'air heureux 为什么这些人看起来都挺高兴的呢倒装了以后能不能直接把这个 ces gens 放到on 的后面呢实际上是不可以的因为 ces gens 是一个名词名词的话呢不能直接倒装要另外加上代词倒装答案是 Pourquoi ces gens ont-ils l'air heureux Pourquoi ces gens ont-ils l'air heureux 第二句 Il faudra s'adresser à qui pour obtenir des renseignements Il faudra s'adresser à qui pour obtenir des renseignements 要问谁才能够得到情况的说明呢答案是 à qui faudra-t-il s'adresser pour obtenir des renseignements à qui faudra-t-il s'adresser pour obtenir des renseignements 是不是整个句子看起来有点酷炫的感觉呢第三句 tu fais du judo depuis combien de temps tu fais du judo depuis combien de temps 你玩柔道已经玩了多久了呢更加正式的说法是 depuis combien de temps fais-tu du judo depuis combien de temps fais-tu du judo 注意 fais 和 tu 之间有一小横第四句 Benoît s'installe dans quel bureau? Benoît s'installe dans quel bureau? Benoît 他在哪个办公室呢倒装以后就是 Dans quel bureau Benoît s'installe-t-il? Dans quel bureau Benoît s'installe-t-il? 第五题 Où est-ce que Fernand rencontre Pascal? Où est-ce que Fernand rencontre Pascal? Fernand 是在哪里遇到 Pascal 的呢诶这句话变完以后很有意思哦 Où Fernand rencontre-t-il Pascal?Où Fernand rencontre-t-il Pascal? 注意这个顺序哦，问的是 Fernand 在哪里遇见 Pascal? Où Fernand rencontre-t-il Pascal? 好的，接下来我们来做第四组题 ,article, 这一回要填的呢，是一些冠词。好，请大家先来把这道题做一下吧。Il adore manger. 哇哦，真是一个有趣的句子。他喜欢吃，是一个吃货。Il adore manger. Au petit déjeuner, il boit du chocolat. 在早饭的时候呢，他要喝巧克力，热巧克力。什么什么 lait? 当然是 du lait ou du café au lait. 他要喝牛奶，或者呢是奶咖 café au lait. 其实也就是欧式的拿铁。Il mange des œufs, du pain ou des croissants.大家都填对了吗 Il mange des œufs, du pain ou des croissants. 吃鸡蛋面包和羊角面包。À midi, il va au restaurant, il prend de la viande avec des frites, du fromage et des fruits. 基本上通过单词后面有没有 S 呢我们大致上也能猜出用什么样的部分冠词。Il boit du vin, 他还要喝酒。
Le soir, il dîne chez lui. Il mange encore beaucoup de 什么什么 viande. 这里该填什么呢？相信语感好的同学应该知道，这里什么都不用填， beaucoup de viande 就 OK 了。Du fromage et des gâteaux. 最后 il boit aussi de la bière. 他也喝一点啤酒。好的，第五组题，这回呢我们要练的是一个限制性的短语，叫做 ne que 仅仅指什么什么。首先来看范例。La chambre est très petite, elle fait seulement 9 mètres carrés. 遇到这样的句子呢，我们把它变成 ne que, 也就是 elle ne fait que 9 mètres carrés. Elle ne fait que 9 mètres carrés. 注意 ne 放在动词的前面，而 que 呢放在限制成分的前面。好，来看第一题。Il mange seulement du pain le matin. 变成 ne que 应该是什么呢？应该是 il ne mange que du pain le matin.第二题 ,ils font seulement du tennis, 他们只打网球。变成 ne que, 就是 ils ne font que du tennis。第三句 ,ils pensent seulement aux vacances, 他们只想假期的事情啊，脑子里都在想假期，已经不想工作了。ils ne pensent qu'aux vacances, 诶，是不是很神奇啊 ?ils ne pensent qu'aux vacances, que 放在 aux vacances 的前面，并且有省音的现象 ,ils ne pensent qu'aux vacances。为什么放在 O 的前面呢？因为那个是它的限制成分。第四题 ,Il boit du vin français et n'aime pas le vin d'autres pays. 他喝法国酒，他不喜欢其他国家的酒。那我们该怎么做呢？应该是 ,Il ne boit que du vin français, il ne boit que du vin français. 第五题 ,C'est un végétarien, c'est un végétarien. 什么是 végétarien 呢？素食主义者，这是一位素食主义者。那么他应该怎么样呢？只吃蔬菜，对吧 ？Il ne mange que des légumes. Il ne mange que des légumes. 他只吃蔬菜。好，接下来呢，我们要给大家做一道重量级的题目喽。这回是要判断 passé composé ou imparfait。请大家先把下面这篇文章做一个选择吧。文章的题目很有意思，叫做 Un mauvais souvenir, un mauvais souvenir, 一段糟糕的回忆。那么究竟发生了什么事情呢？首先第一句 C'était il y a un an, c'était il y a un an, 这是一年前的事情。那么这里的 c'était 呢，表示的是一种状况的描写，而不是一个动作，所以用 imparfait。 Nous passions l'été à la campagne, 当时呢我们在乡下度夏天。不知道这个campagne是不是气温会低一些呢？如果会低一些，我们可以说我们当时在乡下避暑。Nous faisions souvent des sorties en voiture. 当时呢，我们经常坐着车出去，因为是经常发生的，所以也用 imparfait. Nous visitions des châteaux et de vieux villages. 这里使用 imparfait 的理由也是一样的，因为是过去经常做的事情。我们经常去一些城堡里面玩，还有一些老的村庄。Il faisait beau. 当时呢，天气一般都是挺不错的。Il faisait beau. Tout allait bien. 一切都是那么的 OK. Tout allait bien. 一切都很好。Un jour, cependant, 但是有一天呢， notre voiture est tombée en panne en pleine campagne. 有一天我们的车坏掉了。En pleine campagne 指的就是远离城市的村庄，比较偏远的那种。所以呢，当他车坏掉的时候，应该周围找不到可以修车的地方。好的，我们的 mauvais souvenir 要开始了。Il n'y avait personne et le premier village se trouvait à plusieurs kilomètres. 周围一个人都没有，最近的村庄呢在几公里之外。这些都是状况、状态，所以呢我们用 imparfait。下一句也是一样。Nous n'avions pas de téléphone portable. 我们有没有手机 ？Nous avons discuté et c'est moi qui ai dû aller chercher un garagiste sous le soleil. 我们讨论了一下。最后呢，是我不得不冒着大太阳去找一个修车工。讨论以及被迫去找修车工都是两个动作，所以呢我们选择 passé composé。 Je m'en souviendrai longtemps de cette balade à la campagne. 我会一直记得这次乡村之旅。好的，接下来我们要做的一组题呢同样也非常重要，它的名称叫做 pronom démonstratif。 pronom démonstratif 指示代词，那么是哪些呢？就是 celui 的一家， celui, celle, ce, celle。 请大家先来做一个选择。
第一组 Regarde ces voitures, tu aimes celle de droite? 这里如果是填空题的话，那么是复数的 celle 也可以，单数的 celle 也可以。为什么呢？因为你喜欢右边的这些吗？或者是你喜欢右边的这辆吗？都是可以表达的。回答 Non, je préfère celle de la vitrine. Non, je préfère celle de la vitrine. 我不喜欢右边的那些，我喜欢橱窗里的那一辆。C'est la plus belle de toutes celles de cette salle d'exposition. 这一辆呢，是这个展示厅当中所有车当中最漂亮的。第二组 Tiens, voilà des chaussures pour toi. 什么什么 Tu les aimes? 这一题如果是填空题的话，有的同学可能就会纠结咯，到底是 celle 还是 ce？ 那么 chaussure 是阴性的，那就应该是 celle。 但如果我填 celle 也很不通啊。对了，这里的正确答案呢是 celle-ci， 这些这双。Tu les aimes, 你喜欢吗？ Non, celle-là me paraisse mieux. Non, celle-là me paraisse mieux. 我不是很喜欢这双，那双更让我喜欢。Je suis déçu. Je pensais que tu aimes celle-ci. 我挺失望的，我以为你会喜欢这双。好的，接下来一组题呢，是我们要练习一下 expression de durée， 怎样来表达持续时间呢？这边有一些介词或者短语让我们来进行选择，他们是 depuis, pendant, il y a, ça fait que, dans 和 en， 请大家先进行选择。第一题 Le concert a commencé il y a une demi-heure. Le concert a commencé il y a une demi-heure. 音乐会是半个小时之前开始的。有的同学可能会问，如果这里是填空题的话，我可不可以填 depuis？ 答案是可以的，可以填 depuis。Le concert a commencé depuis une demi-heure. 那么这个 il y a 和 depuis 究竟有什么区别呢？ il y a 表示多久之前发生了一个什么事情，而 depuis 呢，表示某件事情发生到现在已经有多久了。那有的同学说，好像听起来没有什么区别，放在我们刚才那个例句里边有区别吗？没有区别，但是在某些情况下会有区别。比如 il est arrivé depuis deux heures 和 il est arrivé il y a deux heures 有什么分别呢？ il est arrivé il y a deux heures 表示他是两个小时之前到的，那他现在还在不在呢？是不是已经走掉呢？这个不清楚。但是 il est arrivé depuis deux heures就表示他到的这种状态已经持续了两个小时了，也就是说他是两个小时之前到的，并且一直在这边没有离开。大家理解了其中的差别了吗？第二小题 Dans 10 ans, toutes ces vieilles maisons disparaîtront malheureusement de la carte de notre ville. 十年以后呢，非常不幸的，这些旧房子老房子都会从我们城市的版图上消失。 Dans 表示多久之后。第三小题 J'ai pleuré pendant tout le film. J'ai pleuré pendant tout le film. 在整个电影的过程当中呢，我一直在哭。第四小题 Obélix peut avaler un sanglier en 20 secondes. Obélix peut avaler un sanglier en 20 secondes. Obélix 是法国的一个动漫人物，著名动漫人物，他呢可以在20秒的时间里面就吞下一头野猪，太厉害了。只要花多久就可以做完某事，我们用介词 on。 第五小题 il n'a plus 什么什么 trois mois déjà， 这里应该放什么呢？应该是 depuis。 il n'a pas plu depuis trois mois déjà， 没有下雨这种状况持续到现在已经有三个月了，因此呢我们要用 depuis 这样一个介词。第六小题
Hélène a rencontré une amie d'enfance il y a 3 mois. 3个月之前, 遇到了一个童年的朋友, 小时候的朋友. Elles ne se sont pas vues pendant 5 ans. Elles ne se sont pas vues pendant 5 ans. 他们没有见面的这种状态呢, 持续了5年, 已经有5年没有见面了, 但是此时此刻呢, 他们已经见面了, 这种状态已经结束了, 因此不要用depuis. 第7小题, 什么什么2 heures, je t'attends. 应该是, ça fait 2 heures que je t'attends. 这个基本上能猜出来, 对吗? Ça fait 2 heures que je t'attends. Qu'est-ce que tu fabriques? 你在做什么呀? 注意哦, qu'est-ce que tu fabriques 呢, 是一种比较口语化的说法, 它的意思不是指你在制造一些什么, 而真的是指你在做什么, 你在干什么呢? 好, 接下来呢, 我们会看到一段比较长的对话, 那么这次我们要练习的是什么呢? 是 comparatif et superlatif, 也就是比较级和最高级。 首先, 请大家先来把题目看一下, 看一看究竟应该填最高级还是比较级呢? 好,题目看过了以后呢,接下来我们一起来做题。对话是发生在两个人之间的,一个是什么呢? Un pessimiste, un pessimiste, 一个悲观的人,另外一个人呢? Un optimiste, un optimiste, 一个乐观的人。首先我们看到发言的人叫做P, 大写的P, 什么意思呢? 他指的就是 pessimiste, 用法语来说应该是一个悲。 Je suis l'homme le plus laid du monde. 哇哦,虽然是一个悲观的话, 但这话有点大哦。 毕竟是 le plus 什么什么 du monde 世界之最啊, 虽然长得丑一点, 但是最丑, 真的这么有自信吗? 好了, 不管他, 这句话就是这样做的, je suis l'homme le plus laid du monde, 那么 optimiste 呢, 不同意, 他说, mais qu'est-ce que tu racontes, 你在胡说一些什么呀? À mon avis, si tu n'es pas le plus beau du monde, tu es au moins plus intelligent que beaucoup d'autres personnes. 虽然你不是世界上最漂亮的人, 但是呢, 你至少要比世上的很多人都聪明。 那么这个P呢, 又说了, tout le monde est 什么什么 bon que moi en français, 应该是所有的人说法语都比我说得好, 对吗? 但是 plus bon呢, 不能够讲一般来说, 所以要改成什么? Meilleur, tout le monde est meilleur que moi en français, tout le monde est meilleur que moi en français. 然后回答很有意思, c'est normal, 很正常啊, tout le monde ici est français, 这里的所有的人都是法国人, 你不是法国人, 当然他们的法语会比你好了, mais parmi les étrangers, tu es celui qui parle 什么什么 bien cette langue, 应该是说在外国人中间, 你是法语说的最好的, 对吗? 那么最好的话, 同样我们一般不说 plus bien, 要说什么呢? 说 le mieux, le mieux, tu es celui qui parle le mieux cette langue, 然后呢, 这个pessimiste 接着说, De ma classe, je suis l'étudiant qui réfléchit le plus longtemps avant de répondre à une question. 真是一件比较悲催的事情。 他说, 在我班里面呢, 我是那个学生, 在回答问题前要考虑最长时间的那个学生, 反应真的是比较慢。 那么那个O就安慰他, C'est pour ne pas dire des bêtises, 考虑时间长一点呢, 是为了不要说什么蠢话。 Ça veut dire que tu es celui qui agit avec plus de responsabilité que les autres. 这个说明呢, 你做事的时候比其他人带有更多的责任感, même dans la vie, 甚至于在生活当中也是这样, 不仅仅是在学习当中。 Les autres devraient réfléchir autant que toi avant d'agir. 其他人呢, 应该和你思考的一样多, 而不是非常的莽撞, 不考虑清楚就开始行动了。 注意,这里呢,我们不能够填成比你考虑的更多,而只能够填成跟你考虑的一样多,这样才比较通顺。 Pessimiste 继续说, Je mange 什么什么 souvent que les autres étudiants étrangers à la française. 这边应该填的是 moins souvent, 同其他的外国学生相比呢, 我吃法餐呢,就不是那么多。 Je m'adapte moins facilement que les autres à la vie en France. 同其他人相比呢, 我不是那么容易适应在法国的生活。 然后那个O又说了, O的话很有意思哦。 C'est parce que tu es plus fidèle que à ta culture d'origine. 这是因为你比他们呢, 更忠于你自己的文化。 Ça veut dire que dans la vie sentimentale, tu seras le plus constant de tout le monde. 这个都能够看得出来吗?
他说这说明你在感情生活当中呢是所有人中间最情绪最稳定的，比较长情，不容易朝三暮四。那么这个被继续说 J'ai trop de problèmes dans ma vie， 我的生活当中有太多的问题了。 C 说 On a tous autant de problèmes les uns que les autres， 我们呢彼此都有很多问题，都有一样多的问题。 La vie est aussi difficile et aussi sympathique avec tout le monde， 这句话我还是比较赞成的哦。生活呢对于所有人来说都是同样的 difficile， 同样的 sympathique， 虽然不是那么绝对，但是它背后的道理应该是对的，就是每个人都会遇到很多的问题，关键你过得开不开心呢在于你怎样看待它。 Mais de tout le monde c'est moi qui ris le moins et qui me plains le plus， 这个倒也是真的。这个 pessimist 说在所有人中间呢是我笑的是最少的，抱怨的是最多的。其实这样呢不但于事无补，而且把自己的心情呢进一步搞坏了，甚至于把身体都会搞坏。终于那个 O 呢也没话讲了，他说啊撒，他讲不下去了。这种情绪甚至于是性格的东西呢恐怕都要自己拯救自己了，别人呢是帮不上很大的忙的。好的，练完了比较级最高级以后呢，我们再来做一些关于时态的题。这回呢要求也比较简单， présent ou futur， 到底这里应该用现在时还是将来时呢？请大家先来做一做题。第一题，告呢是代表两个动作同时发生，所以呢他们的时态应该是搭配好的。在这里呢用的是两个 futur simple。 Quand tu viendras, on ira visiter la Bibliothèque Nationale de France. Quand tu viendras, on ira visiter la Bibliothèque Nationale de France. 第二小题， Si tu peux te libérer, on assistera à un match au Stade de France à Saint-Denis. 如果你能抽出空来呢，我们就去看一场比赛。那么这里为什么要用不同的时态呢？因为它的 C， 看到 C 我们可以使用主将从现，那么这个呢就是非常典型的一句主将从现的句子，主句是将来时，从句是现在时。第三小题， Pendant que tu feras les courses, je terminerai ce travail. Pendant que 呢也表示同时，所以当你去买东西的时候呢，我就可以把这个工作做完，两个时态都是一样的，都是 futur。 第四小题， Si vous partezVous n'oublierez pas de fermer toutes les portes. 如果你离开的话呢，不要忘记把所有的门都关上。这里的时态配合的理由呢，依然是主将从现，是由于 C 的关系。好的，下面的一组题呢，也是非常的实用，考验的是我们的 pronom relatif 关系代词。关系代词是法语里边非常有特点的一个代词种类。这边呢比较简单，只要从 qui、que、où 三个里边进行选择就可以了。请大家先填一下吧。第一题， Le café, c'est une boisson qui est amère et parfumée, qu'on boit avec ou sans sucre, qu'on trouve beaucoup au Brésil et qui peut nous réveiller le matin. 大家有没有觉得这些句子看起来很有美感呢？非常具有法语的美感。咖啡是一种带有苦味的，并且带有香味的饮料。喝的时候可以加糖，也可以不加糖。在巴西可以找到很多咖啡，大家知道巴西的咖啡比较有名。最后一句话有点奇怪，他在早上可以叫醒我们。
难道咖啡像闹钟一样可以在早上叫醒我们吗？当然不是这样，它指的是早上精神不好的时候呢，我们喝一点咖啡马上就精神很振奋了。第二小题， Un dictionnaire, c'est un livre que les élèves utilisent tous les jours où nous trouvons l'explication de chaque mot et qui est franchement le meilleur ami de celui qui veut apprendre une langue. 词典，什么是词典呢？词典是一本书，是一本学生每天都要使用的书，在这个里面我们可以找到每个词的解释，它真的是外语学习者的最好的朋友。第三小题， Internet, 哇好潮哦， C'est un moyen de communication qui devient de plus en plus important dans notre vie quotidienne et que chaque jeune doit savoir utiliser. C'est un endroit où les gens obtiennent toutes sortes d'informations et où ils se font des amis. 互联网是一种在我们的日常生活当中变得越来越重要的交流工具，每个年轻人都应该会使用它，在这里人们可以获得各种各样的信息，并且在这里可以交朋友。这边呢有一个短语叫做 se faire des amis， se faire des amis 是交朋友的意思。好的，再往后一组题呢是要考一考我们过去分词是不是需要信数配合。首先来看例句， Nous avons vu ces gens, nous avons vu ces gens， 我们有见过这些人吗？Oui, ce sont les gens que nous avons vus. Ce sont les gens que nous avons vus. 是的，这就是那些我们见过的人。这里的 nous avons vu, vu 加了 s， 为什么呢？因为有直接宾语前置，加上 avoir 做助动词的 passé composé， 这两个条件必须同时存在哦。首先，第一个条件是有以 avoir 做助动词的 passé composé 复合过去时；其次呢，要有直接宾语前置。那么在刚才这个句子当中，两个条件同时都存在了，因此 vu 要同 les gens 进行信数配合。好的，我们来看第一道题， Nous sommes allés dans ce café, nous sommes allés dans ce café， 以前我们有去过这家咖啡馆吗？回答是 Oui, c'est dans ce café que nous sommes allés. Oui, c'est dans ce café que nous sommes allés. 是的，以前我们去的呢就是这家咖啡馆。这边有没有过去分词的信数配合呢？有的， aller 加了个 s。那么它是同 que 前面的名词进行配合吗？不是的，它是同 nous 进行配合的。那么这里配合的理由呢，是因为用 être 做助动词的动词，过去分词必须和主语进行信数配合，而不是同前置的宾语。第二小题， Vous avez travaillé dans ce quartier? Vous avez travaillé dans ce quartier? 回答是 Oui, c'est dans ce quartier que nous avons travaillé. Oui, c'est dans ce quartier que nous avons travaillé. 我们以前就是在这个地区工作的。那么这里的 travailler 是不是需要信数配合呢？不需要，因为没有直宾前置， dans ce quartier 并不是一个直接宾语，只不过是一个地点状语。第三题， Vous avez vu ces sculptures? Vous avez vu ces sculptures? 你们有没有看到那些雕塑呢？回答是 Oui, ce sont les sculptures que nous avons vues. Oui, ce sont les sculptures que nous avons vues. 那么这边的 vu 要不要配合呢？是要配合的，要加上 es， 它是同谁配合啊？是同 nous 还是 sculpture 呢？既然我们看到了 所以我们比较确定是跟 sculpture 配合，是指宾前置的缘故。第四小题， Vous avez rencontré ces urbanistes? Vous avez rencontré ces urbanistes? 你们有没有遇到过这些城市的规划师呢？回答是 Oui, ce sont les urbanistes que nous avons rencontrés. Ce sont les urbanistes que nous avons rencontrés. 这些就是我们遇到过的城市设计师了。那么加上什么呢？Rencontrer 最后要加一个 s， 同谁配合？同 les urbanistes 配合。最后一组题， subjonctif 虚拟式，我们已经练过很多遍了，大家应该很熟练了，对吗？第一小题， Il ira, j'en ai peur， 我担心他会去，应该做成什么呢？ J'ai peur qu'il y aille， j'ai peur qu'il y aille， 是不是有点奇葩？ aille。 第二小题， Il viendra, j'en suis heureux， il viendra, j'en suis heureux，他会来，我会开心，也就是说我因为他会来而很开心。用法语说就是 Je suis heureux qu'il vienne， Je suis heureux qu'il vienne。 虚拟式没有将来时哦，因此是 qu'il vienne。 第三句， Vas-y, c'est indispensable， Vas-y, c'est indispensable， 去吧，这是不可缺少的，一定要去的。做成一句话用虚拟式就是 C'est indispensable que tu y ailles， C'est indispensable que tu y ailles。第四题， Partez, il le souhaite, Partez, il le souhaite, 他们希望呢你能够出发。Il souhaite que vous partiez, il souhaite que vous partiez, 大家有没有做对呢？
终于我们把 AR 的100讲都已经讲完了，大家也学到这里真的是很不容易哦，好长哦，像天荒地老那么长。不过能够学到这里呢，也真是人中龙凤了，耐力无限呐。如果大家有进一步学习的计划，也可以继续关注沪江网校的 B1 课程。另外呢，也欢迎大家在部落上同安红老师进行交流，共同探讨在学习过程当中遇到的困难以及解决办法。AR 的课程就到这里全部结束咯。Au revoir, les amis!